L'apport principal de la loi du 20 août 2008 réside dans le fait que l'on a mis en cause la représentativité automatique des 5 organisations syndicales au plan national, en introduisant désormais le critère de l'audience à l'aune duquel est mesurée cette représentativité à l'occasion des élections au comité d'entreprise. À partir du moment où l'enjeu réside dans la mesure de l'audience, il est évident que 2 sujets particuliers sont désormais au centre des préoccupations des organisations syndicales. Le premier est évidemment le découpage de la circonscription, si je puis dire, c'est-à-dire du périmètre au sein duquel le comité d'établissement ou le comité d'entreprise est désigné. Le deuxième sujet, bien évidemment, c'est celui qui consiste à introduire une dimension de séduction dans l'offre que les organisations syndicales vont désormais devoir faire auprès de leurs électeurs indirects.